né le 28 août 1947 à Ndendé, dans le département de la Dola, au sud du Gabon, le professeur Donatien Dominique Mavungu sort de l'anonymat à l'annonce de son invention, l'Immunorex DM28. Médicament qu'il présentait comme le traitement contre le virus de l'immunodéficience humaine, sa mort ce mardi 4 février sonne le glas des années de combat pour la reconnaissance de son traitement. Jusqu'ici, le médicament au Gabon n'avait été utilisé que dans le cadre d'essais cliniques de phase 1, 2 et 3 et était en attente de validation des autorités de santé du pays pour sa mise sur le marché. L'attaque par un commerce parallèle, notamment sur les réseaux sociaux de son produit pour lequel, selon l'Institut international pour le soutien à la recherche scientifique innovante, environ 60 000 Africains seraient tombés dans la nasse de faux, n'aura pas aidé à sa reconnaissance. Les premiers stocks de l'Immunorex DM28 fabriqués en Afrique du Sud avaient été testés avec succès, non pas comme vaccin, mais plutôt comme un traitement qui permet de booster les défenses immunitaires et réduire les effets secondaires de l'infection VIH. La production a toutefois été stoppée en attendant la seconde phase d'obtention des autorisations de mise sur le marché. L'Institut international pour le développement et soutien à la recherche scientifique, qui a pris à bras le corps le projet de développement du médicament, s'est efficacement investi pour appuyer le professeur Donatien Dominique Mavungu dans la fabrication et l'obtention du certificat de mise sur le marché du médicament. Après cette étape, le chercheur gabonais devait immédiatement passer dans la phase de la commercialisation tout azimut de son produit, ce qui devait transformer sa vie, sa réputation mondiale et son coffre-fort. Il ne connaîtra donc jamais l'épilogue de son œuvre.